Voilà, mais c'est voilà, mais ça l'histoire de la presse avec vous, regardez les images. Génération la mission de Toyawa. Oh, bah retourner stade des martyrs. Bah bien sûr, bah retourner stade des martyrs. Vous avez quand même un à Paris, bah tout peut bah ouya bah balou la route. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, le master de la presse avec vous. Regardez les images du stade des martyrs. Et notre frère Hervé, regardez vous-même les images, pièce contre pièce, le master de la presse. Maintenant, regardez les images du stade de Fally Ipupa. Comment est-ce qu'on a fait tourner la caméra par tout le monde qui était là-dedans et les drones. On va parler de tous ces sujets aujourd'hui. Voilà. Regardez des images de combien de personnes au concert de Fally Ipupa sont restées à l'extérieur du stade de martyrs. Regardez vous-même des images. Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut à tous les fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tout le monde, c'est votre humble serviteur, le master de la presse, les défenseurs de l'artiste musicien Fally Ipupa, monsieur les cogneurs et monsieur la vérité aussi. Nous allons parler de plusieurs sujets aujourd'hui. D'abord je vais vous demander quelque chose à faire, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour une très très bonne compréhension, parce que beaucoup de gens ne vont pas comprendre qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je voulais dire. Moi, je vais vraiment aujourd'hui parler en 90% en français pour une compréhension de tout le monde. Les Camerounais, des Ivoiriens, des Maliens, des Zambiens, les Gabonais, tout le monde. J'ai bien dit toute l'Afrique, Congo-Brazzaville. Les gens sont obligés de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment à la toile du monde, surtout ces affaires des stades de martyrs. Je vais vous demander encore à liker, à s'abonner et à activer la cloche des notifications. Celui qui n'est pas encore abonné, abonne-toi et nous allons décoller. On va parler du sujet stade martyr, affaire stade martyr. Qui a fait mieux? Qui a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le master de la presse, c'est un journaliste qui fait des investigations et c'est un journaliste de pièce contre pièce. Moi, je viens pas dire des choses inutilement comme ça en désordre. J'amène de preuves et de tout ce que je dis, j'amène vraiment de preuves. Je suis quelqu'un de la vérité. Je marche qu'avec la vérité car Dieu lui-même, il est vrai. Voilà, nous allons parler du stade de Hervé. Est-ce que le mec avait fait un concert plein? Non, ça c'est déjà, évidemment, ça c'est déjà la vérité. Est-ce que le mec a rempli les stades de martyrs? Non, il y avait des vides partout, surtout derrière le podium. Nous allons parler aussi du stade de Fally Ipupa. Est-ce que Fally Ipupa a fait un carton plein? Oui, c'est vrai, il y a des images qui sont en train de véhiculer. Fally Ipupa a fait un carton plein et son stade était plein derrière le podium, devant le podium, au milieu, au stade. Et pourquoi Fally Ipupa lui a empêché de faire entrer les plus de 35 000 personnes que je vous avais dit qui sont restées à l'extérieur du stade des martyrs? Question mark, comme on a toujours l'habitude de dire. Est-ce qu'on a triqué Fally Ipupa? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées comme ça? Et nous allons parler aussi de l'union sacrée des artistes musiciens qui ont soutenu l'artiste musicien Ferregola alors que Ferregola a fait un fiasco. Il a été soutenu, on va commencer à dire, par Gims. Il a été soutenu par les frères de Gims Dadju. Il a été soutenu par Wey Ranson. Il a été soutenu par Jibem Piana, par Koffi Olomide, par Fabregas, par Depik. On peut dire que c'est l'industrie musicale congolaise qui a soutenu Gims. C'est tous ces artistes-là ont soutenu, excusez-moi, Hervé Ferré, tous ces artistes-là ont soutenu, alors que Fally Ipupa a eu le soutien des personnes. Fally Ipupa a fait ce stade de martyr avec le nom de Fally Ipupa et il a rempli plein mieux que tous les artistes qui ont fait le stade de martyr. Alors il a eu le soutien des personnes. On n'a pas vu la vidéo de Koffi, son père musical. On n'a pas vu la vidéo de Wera, de JB. On n'a pas vu la vidéo de Hervé. On n'a pas même vu la vidéo de Fabrega. On a vu la vidéo de personne. Alors que Hervé a été soutenu par tout le monde, il a fait un fiasco. Nous allons d'abord prendre la première vidéo pour répondre à ces guignols de Ndombolino. C'est la vidéo où Fally Ipupa, on a laissé plus de 35 000 personnes à l'extérieur du stade des martyrs. Suivez cette émission jusqu'à la fin. Vous allez voir, je fais l'émission dans la voiture parce que vous savez déjà, donc c'est comme ça.
Nous allons prendre cette vidéo, c'est les archives qu'on vient de sortir. Fali, pas plus de 35 000 personnes sont restées à l'extérieur du stade des Martyrs. Je sais pas pourquoi, on va vous expliquer dans cette vidéo. Et nous allons vous montrer la vidéo de Piaka de Ferrego, là où il y a eu des vides preuves à l'appui avec des caméras comme ça, des personnes et non des photos, des vidéos montées. Nous allons aussi vous montrer le concert de Fally Ipupa au stade des Martyrs. Voilà, prenons d'abord cette vidéo. Prenons la vidéo ensemble, voilà. Regardez les gens. Vous-même regardez comment est-ce que les gens sont restés à l'extérieur. Botala binomo. Botala. O bato nyo se bako ta kite. Ndomoli no zomon. Regardez. Archive, hein. Pièce contre pièce. Tous ces gens-là ne sont pas entrés au stade des Martyrs. Bato nyo se bomo à Libanda. Bah, soda kuba beta bango bomoni. Bomoni. Bah, soda ba sa bozonga, bozonga. Bozonga. Bozomona. Bah, soda ba beta bango. Fali benaza mystique. C'est-à-dire que, égal à batutu à wenge kal fali e mogo. Falali kolo magas. C'est-à-dire que l'axi a banobo mera bango moto. Abena egle fali. Tala stade inonde. Di banda tina kat. La futi moto express. Voilà. Nous sommes là, les warriors, toujours. Bonjour, il faut pas blaguer, c'est lui le détenteur de la génération. Bonjour, mon. Voilà, les billets sont là. Voilà. Abîmé. Bonjour, mon. Population mal, population mal. Chaleur, chaleur. Makamba Bueno, tout mon. Makamba Bueno, tout mon athée, je vais parler, je vais expliquer aux gens la vidéo en question que vous êtes en train de voir. Et la vidéo du concert de Fally Ipupa, que le maston de la presse vous avait déjà dit. Il y avait plus de 35 000 personnes à l'extérieur du stade des Martyrs et plus de 120 000 personnes à l'intérieur du stade des Martyrs. Qui a triqué Fally Ipupa? Mais pourquoi on n'a pas laissé à Fally Ipupa tous ces gens là-bas à côté dans le stade Mazalatana Pelouse, Babébi sa Pelouse? On a vu des soldats comment frapper des gens, dire aux gens rentrer derrière. Mais monsieur Ndombolino, je vais te répondre aujourd'hui. Tu es qu'un Tintin, tu es un guignol, un charlot, un charlatan, un menteur, un mytho, ce mec-là. Tu es un idiot total, Ndombolino. On t'a payé combien pour faire? Oh, ok, je comprends, on t'a payé. Mais il faut pas venir mentir les gens. Tout ce que Ndombolino a fait, c'est ce que nous, on appelle en marketing et le propagande. Donc, tu prends quelque chose qui est noir, tu l'amènes, tu dis aux gens, c'est rouge, c'est blanc. Ndombolino est conscient. Nous tous, on est conscient que Hervé n'a pas fait le plein au stade de Martyrs. Ndombolino, d'abord, toi, l'idiot de Ndombolino, excusez-moi du terme parce que c'est un idiot, il est en train de mentir les gens, c'est un mytho. Tu viens avec des dires, on a fait, a fait mieux que Fally, faire a fait mieux que Fally. T'as perdu la tête, monsieur. D'abord, je vais te dire, Ndombolino, avant de mettre la vidéo d'Mpiaka et la vidéo de Fally Ipupa, on a dit que la comparaison n'est pas raison, mais je vais comparer pour montrer aux gens qui est Fally, qui est Ferré. D'abord, la première vidéo que vous avez vue, les gens étaient restés à l'extérieur. Je vais demander, ça c'est un grand défi à tous les fanatiques de Hervé, à tous les lignos sacrés de Gims, Dadju, bon, Dadju on l'enlève parce qu'il respecte Fally, Gims,
Kofi, Wera, JB, je sais pas quoi, héritier, tous ces gens-là, tous ces bandes-là de personnes. Mais après le concert du Stade de Martyrs, vous allez faire quel genre de concert? Et Tom Dombolino était dedans. Dites-moi, Fally a fait Apollo aux États-Unis plein. Fally a fait Bercy, qu'aucun musicien de sa génération l'a fait. Fally va faire You Arena. Il n'y aura aucun musicien de la musique francophone en Afrique qui a encore fait You Arena. Le seul artiste musicien de l'Afrique qui a fait You Arena, c'est Burna Boy. On a besoin de vous voir au stade de Massamba Déba. On a besoin de vous voir au stade en Angola. On a besoin de vous voir au stade au Bénin. On a besoin de vous voir au stade au Cameroun. On a besoin de vous voir au stade au Palais des Sports en Côte d'Ivoire. On a besoin de vous voir au stade au Mali. On a besoin de vous voir au Sénégal. Mais vous n'allez pas se limiter qu'à Kinshasa, en RDC. L'RDC, même moi, je peux faire un concert au stade de Martyr. Même moi, je peux faire un concert à Andolo. Et Tonde Tondate, je peux aussi organiser un concert. Ça, c'est très facile et simple d'organiser un concert en RDC. Mais allez-y faire Bercy. Allez, mais la, dans la carrière musicale de Moline, écoute-moi, avec toutes tes bandes-là de l'Union Salité, dans la carrière de Hervé, il a fait que Olympia en France. Je crois au Zénith. Voilà, il a fait que Zénith en France. Il n'a jamais fait Olympia. Il n'a jamais fait Hôtel Accor Arena Bercy. Il n'a jamais fait Apollo. C'est pour la première fois dans la carrière musicale de Hervé de voyager aux États-Unis. Et d'abord, quel genre d'États-Unis? Où il a fermé tous les musiciens. Les musiciens étaient devenus comme des chiens. Devant leur maison, on a mis des gros chiens là des États-Unis. Avec des gardes, avec donc, ils pouvaient même pas aller quelque part. Les musiciens n'étaient pas même libres de quitter leur endroit. Fally qui fait voyager ses musiciens, tous les musiciens de Fally Ipupa a son passeport avec lui. J'ai bien dit tous les musiciens de Fally Ipupa a son passeport avec lui. Moi, j'ai été avec Ambassi au restaurant, il avait son passeport, son go pass, tout avec lui. J'ai été avec Babi Tangofor, il avait son passeport avec lui. Mais dans ce passeport de musicien de Fally Ipupa, il y a des visas des États-Unis, il y a le visa des Canada, il y a le visa de l'Angleterre, il y a le visa de Schengen, 5 ans. Mais pourquoi Fally n'a pas mis des chiens devant les gens, séquestrer et arrêter et mettre les gens à la maison? On a vu quelle photo, quelle vidéo de musicien de Hervé quelque part, New York, Times Tower ou quelque chose comme ça à Houston. Vous êtes que des mythos, l'union sacrée là. Vous avez vu la force de Fally Ipupa, celle contre tous. Bon, Sangani est belé, boyé mon belé, bon détruire moi la maman Monique dans Foster au Simbata. Dombolino, ça zoba mito. Je te préviens, monsieur Dombolino. Les jours qu'on va te voir au concert de You Arena, si tu oses à venir, monsieur, tu seras tabassé comme un serpent. Tu seras tabassé comme un voleur. Tu seras ridiculisé. Tu seras moutakalisé. Tu seras moutakalisé. Fais gaffe, mec. Fais gaffe. Fais gaffe, on va d'abord contrôler ta chaîne YouTube. Tout ce que tu as mis au nom de Fally Ipupa, on va tout détruire. Je viens à Paris. Je vais venir à Paris. Je vais prendre Madina, nous allons parler. Je vais prendre toute l'équipe de Fally Ipupa, des marketing et des management. Toutes les chaînes YouTube qui ont insulté Fally Ipupa. Ils ont mis des vidéos, des photos, les noms de Fally Ipupa, miniatures, tout ce que vous allez faire. On va brûler toutes ces chaînes-là. Je vais amener chaîne par chaîne. Moi, je vais amener ça parce que tout comme un niveau l'icolo. Nous allons prendre la vidéo. On a pris la vidéo de Fally. On va prendre maintenant la vidéo de Hervé Dempiak et puis on va finir avec la vidéo de Fally Ipupa, le concert de Fally Ipupa. Comment on a tourné les stades? On a tourné la caméra au stade et puis il faut nous amener aussi des disques d'or. Et puis, il faut nous amener aussi des singles d'or. Et puis, il faut nous amener aussi des disques et des platines. Il faut nous amener des choses. Ne se limitez pas qu'à notre concert à Stade des Martyrs. Amenez-nous des choses. Amenez-nous des trophées. Amenez-nous des choses. Faisez des choses. Faisez des concerts partout en Afrique. Faisez des tournées. Faisez des choses. Pas que les Stades des Martyrs. Les Stades des Martyrs, même moi, je peux le faire. C'est facile. C'est si simple que ça. Tout le monde peut faire les stades. Voilà. On va prendre la vidéo. Du stade des Martyrs d'Empiaka de Ferregola. Prenons la vidéo maintenant. Voilà, ça ce sont nos éclaireurs. Voilà nos éclaireurs. Botala. Botala. Ferazoyemba. Pièce contre pièce.
Yona. Azoye Mbazana podium. Voilà, ça c'est notre éclaireur. Regardez vous-même. Azoye Mba, Botala. C'est pas qu'Azoye Mba, c'est Botala. Regardez. Oh, Batrika qui ferait. Oh, Batrika qui est. Bafle baby. Bafle baby. Bafle baby. Bafle baby. Bafle baby. Boyoka. Bafaye. Y'a concert, y'a Hervé. Ba warrior. Botala. Azoyemba. Batrikete. Azoyemba. Azoyemba, Botala. Vide. Ça, ce sont des vrais preuves. Pièce contre pièce. Oh, bah, trika qui va photo, bah, salagi montage. Non. Avec Fali, on va faire la même chose. Le tour du stade. Voilà. Le master de la presse, votre humble serviteur. Vous avez cherché l'émission hier, mais j'aime avoir des preuves avant de mettre des vidéos, des choses, j'aime avoir des preuves. Voilà. Regardez notre frère. Ça maintenant à la journée, on a mis la nuit et ça c'est la journée. Photo l'accent Pierre Kezaki depuis la journée c'est la nuit. Regardez, ça c'est un vrai warrior, nos éclaireurs. Voilà des vides. Voilà des vides en haut. Nos hommes. Voilà, pièce contre pièce. Donc sans tricage, sans locuta, ça c'est la vérité, le master de la presse. Pièce contre pièce. Regardez vous-même. On a mis la journée, le midi et puis la nuit quand Ferré chante. Pour vous le battre, on a tout check en la journée, on va tout la côté guité. Voilà. Bozomon. Ça, c'est quand Ferré aussi chanter. Donc, on a mis la journée, midi, on a mis les soirs quand Ferré chante. Pour vous le battre, tout truc. Tour du stade, comme on a fait avec Fali, Yango. Babé, Yango, tour du stade. Regardez de vide vous-même. Voilà. Voilà, tour du stade. Voilà, Yango. Tour du stade Yango. Bzomo na ba vide. Botala binomoko. Botala binomoko. Et puis boloba oza plein. Asali batoum, asali plainte. Bzomo na ba vide na sima stade. Na sima ya podium. Voilà. Pour boloba ki na trika ki na sala ki bo yango. Pour tchan denge mope na oa fali. Voilà. Union salité. Bon, moni va piaka moutouna vino. Azoye mbabo. Botala libo soukouna vide l'icolo. Kouna bozo na set vide partout. Botala. Et puis à côté, perte. Voilà, mesdames et messieurs, avant de mettre, voilà. J'ai parlé, je vais mettre le tour du stade de Fally Ipupa en même temps quand je parle. Et puis nous allons mettre la vidéo de Fally Ipupa. Ce qu'on appelle le tour du stade, c'est ce qu'on a fait à la vidéo avant la fin. Et puis c'est ce que vous êtes en train de voir de Fally Ipupa où la personne fait tourner son téléphone ou bien la caméra partout et vous allez voir du début à la fin, le derrière podium et partout, par ce type à tout temps. L'opération Lakisa Simaya Podium est lancée par le master de la presse hein, parce que c'était un mot d'ordre. Nous, on est tellement fort avec des stratégies. On savait que le mec avait fait des bâches, Bakatakista, Basalakibwe, oui. Il a fait entrer des gens, on va pas se tromper. Il a fait mieux qu'Empia Kanabe, mais quand même, il n'a pas rempli les stades. Il n'a pas fait mieux que Fally Ipupa. Ça, c'est certes, ça, c'est la vérité. J'ai lancé cette opération Lakisa Simaya Podium parce que je savais que le mec n'avait pas fait plein. Et je pouvais même lancer l'opération, le tour du stade, j'ai oublié, bon c'est déjà passé mais je dis ça dans cette vidéo. Les gens, on doit comprendre une chose, Hervé, même s'il a fait ses concerts, il a rien gagné. Il a rien gagné avant de vous mettre la photo de Fally. Hervé a laissé les portes ouvertes, le concert a été gratuit. Il n'a rien gagné le mec. Il a peut-être gagné l'honneur qu'il a fait mieux qu'Empia Kanabe. Il a fait un concert au stade de Martyr. Mais après Hervé, il est en train de plaire dans sa chambre, dans sa maison. Ferré plaire maintenant dans sa chambre, dans sa maison. Le musicien de Ferré Gola n'a même pas un dollar.
Vous allez un jour, je vous dis, hein, vous allez un jour faire des émissions avec des missions de ferry qui vont quitter. Ils vont vous dire, les concerts du Stade des Martyrs, ils ont même pas eu un dollar. Ferry n'a pas eu de sponsor. Et quel genre de sponsor va venir sponsoriser Ferry Go là, tandis que le concert a été gratuit. Vous avez demandé aux gens d'ouvrir de portes. De un, c'est ça. De deux, Fally Ipupa, on a laissé les gens qui avaient seulement de billets. Et on a bloqué l'accès même à des gens qui avaient des... Ferry Go là, dans son concert, les VIP, on voit des mamans Mapa. Des mamans Mapa na VIP à Ferry. On voit des Banamike, bah, Chege na VIP à Ferry. On voit des... Bon, les mamans Mapa, c'est maman des vendeurs de pain. Et puis les Chege, ce sont des sans-abri, des enfants sans-abri. On les a vus dans le VIP. Est-ce que c'est ça le VIP? Est-ce que c'est ça un concert? Si vous êtes en train de faire un concert parce qu'il fallait avait fait. Mais les conséquences sont rudes. Les conséquences sont terribles. Peut-être le gouvernement ne va pas vous inquiéter parce que t'es fait rigolo, t'es rien, t'as pas de succès, t'as pas un nom. Le ministre ne va pas chercher à gratter ton nom, à faire du succès derrière ton nom. Mais t'as gagné quoi après? Quand t'as fait un concert gratuit, les gens sont entrés gratuits. Les mamans des MAPA, on le voit au VIP. Les enfants chegues, on le voit au VIP. Des enfants sans abri au VIP. T'as gagné quoi, mec? Aujourd'hui, tu plais. Tu as dit qu'on vous a humilié, on t'a humilié. Tu t'es humilié toi-même. T'as gagné quoi? Un concert gratuit? Oh Dieu! Nous allons prendre la vidéo de Fally Ipupa pour ne pas prendre beaucoup de temps. J'ai presque tout dit. Donc on va prendre la vidéo de Fally Ipupa. Regardez maintenant, ça sera plein à Stade des Martyrs. Plein en Rwanda. Bozelasko, Botalande, ça sera plein à Stade des Martyrs. Prenons la vidéo. Le plein, c'est comme ça. Voilà. Les drones. Voilà que sa vidéo à drone. Devoir. Voilà, le plein c'est comme ça. Voilà. Derrière le podium, Bromo n'a pas de bazar. Fallu lui-même, il va aller même demander aux gens de derrière les podiums. Plein à l'araboué. Le tour du stade. Devoir à domicile, le master de la presse. Mota drone. Vidéo à drone, tous en ont fait besoin. Écoutez, Torcos. Voilà. Voilà. Une danse, c'est une danse, tout à chanter, cette matin ambiance est en cause. Regardez, fallait à quel coup on va t'assumer. Voilà, 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 et ça le rendait boé, la qui s'assume à podium, voilà, koto koto, la qui s'assume à podium, et bon retourné, la qui s'assume à podium. Opération Lakissa Sima à podium du Master de la Presse, Yango, il fallait à Lakissa Sima. Opération Drone Pezoya, le Master de la Presse. Naola Lissabino Pomite. Voilà. Drone, drone, tout ça on a besoin de drone, trop la drone. Hervé Drone, pour monter ma photo, ma vidéo, pour Lakissa Sima podium, bien peinant Sima podium. Voilà, le tour du stade. Voilà. Regardez, drone. Voyez la photo à drone, image à drone. Hervé Naleli drone, Hervé. Drone, Hervé drone. Hervé drone. Ah, drone, t'es à. Vous allez plein, mais y'a la drone, ton dimanche. La, y'a un drone, Hervé drone, allez la drone. Non souffrir, non souffrir. Aigle, drone, Hervé drone. Y'a qu'un vidéo à drone. Non souffrir. Drone, la qui s'assime à podium, vidéo à drone. Tour du stade. Mouta la sima podium, a fallu battre Bazaraki. Voilà. Hervé, non, les la drone. Non, les là. Non, les la drone. Voilà. On n'a rien à prouver encore avec Fally Ipupa. C'est ça. On a besoin du vidéo du drone. On a besoin de montrer
le derrière le podium, parce que derrière le podium, ce n'est pas qu'en bas, c'est les trois niveaux. Donc, on a C, Nakatika, et puis Likolo. On a besoin de voir Simaya Podium. L'opération Simaya Podium, je l'ai lancée. Pourquoi? Ça, c'est un défi parce que je savais qu'il va au Kokanabango en hôtel. Et puis, l'opération drone et bandit Lelo, master de la presse. Opération vidéo et drone. Voilà, nous allons prendre les dires de Fally Ipupa pour finir, comment il parlait du futur, comment il voyait le futur, parce que c'est un prophète. Prenons la vidéo de Fally Ipupa, comment il parlait du futur. Voilà. Voilà. Moi, je parle au nom de la génération. Voilà. Voilà. Rien à dire encore dans cette vidéo. Pour finir, Fally Ipupa disait, c'est le prophète. Il a dit, lui, il a fait mieux. Bien sûr, Hervé a fait les gens. Héritier avait fait aussi quelques personnes. Mais ce qui est sûr, Hervé n'a pas rempli les stades. Il a fait un concert au stade de Marti qui avait des gens, oui, bien sûr. Mais il n'y avait pas de retournement comme pour Fally Ipupa. Ça, c'est la vérité. Likez, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. N'aimez que bon, de l'émission, vous excusez, il y en a qui ont kippé la merde. Donc, elle est en Lali. C'est pas grave. Je suis là, le cognard. Je vous aime tellement beaucoup. Partagez la vidéo. Bisous, bye.